Salut les viewers, c'est Mercus Polis et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Robocraft, chers amis. Donc toujours avec notre robot Snipe, hein. Je l'adore ce robot à vrai dire, hein. Je trouve qu'il est je sais pas comment l'expliquer, j'aime beaucoup le jouer en fait, en tout cas. Il est assez efficace, assez précis, même au corps à corps avec sa grosse bouboule, il est très très bon. Maintenant franchement je m'éclate vraiment à le jouer. Le seul petit détail, c'est qu'ils visent tous la bouboule. Boum. Ça servira à rien. This fucking guy came out of nowhere. Merci pour le heal. Parfait, on va avoir déjà un kill pour nous. Cependant, je ne vois pas l'équipe adverse et ça m'inquiète. Vise les jambes, mon dieu, vise les jambes, ça c'est traître. Visez les jambes, y'a rien de pire. Vise les jambes, je te dis! Vise les jambes! Posez-le! Posez-lui les jambes! Ça y est. Parfait, on l'a eu. Oula! Ça en fait du monde! Ah, mais putain, mes copains qui passent devant! Ah la vache, GG! Boum! Je récupère le kill. Ça se bat bien, ça se bat bien, ça se bat bien. Mais c'est pas celui qu'on a vu précédemment, justement, celui-là. Si, c'est lui! Avec son robot leurre. Ah, il est génial en plus ce truc. Hop, boum. Ça marchera pas deux fois. Et il est en régène. Pourquoi il a pas la lumière de régène lui? Ah, ça y est. J'ai voulu viser au milieu. Allez, vise au milieu, Marcus. Parfait. Vas-y, viens le voir. Viens le voir, on va rigoler. Oh! Oh! Bah alors tes armes! Tes pauvres armes! Où sont-elles passées? Hop les. C'est con, hein. Hein, c'est con quand même. On aurait bien que tu meurs quand je tire dessus, voilà. C'est bien que ça t'arrive à toi aussi. Par contre, il y en a un, je suis désolé. Ah si, ça y est, il bouge. Il est vivant. Ok. Hop, il sert plus à rien. Oh. Petit pont. Ah, je suis mauvais. Je suis vraiment mauvais. Boum. Crac. Non. C'était mon ami. Merde, il est repop du coup. Hop. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, je crois qu'il l'a plus là. Hop, allez Marcus. Voilà. Hop les. Ça prendra. Hop, victimisé. Comme tant d'autres. Hop. Ils se font tous victimiser. Oh. Qu'est-ce qui se passe?
Pourtant ça fait bien des dégâts. Voilà. Moi j'ai aucune gêne à tirer sur un mec qui est AFK dans une game où justement c'est au nombre de kills, je suis désolé. Hein. Parfait. Quand on a un copain qui a des embrouilles. Eh ben non. T'auras servi à rien une fois de plus. Ok. Hop, victoire. Eh ben écoutez, on l'aura géré cette partie. On l'aura géré cette partie. Bon. La bonne nouvelle. Quelle heure il se fait d'ailleurs? Moi j'ai même pas l'heure, vous savez. Ah oui, il se fait quand même presque 18h. Ça va être chaud de jouer. Hein. Ça va être chaud de jouer à autre chose. Ok. C'est-à-dire à Elite Dangerous que je suis censé tourner encore aujourd'hui. Je suis encore censé tourner Elite Dangerous aujourd'hui. Bon. Rien dans la boîte, c'est génial. On part. Hop, je mets quand même un petit coup de trait sur le deuxième épisode de Robocraft de la journée. Parfait. Et on est reparti. On est reparti. Non, toujours pas? Bon. Bah alors, moi je suis au taquet, moi le jeu là, faut avancer. Pop, 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 pop. J'attends ma partie. Bon. Ah. Voilà. Voilà. War Machine Sud. Ok. Qu'est-ce que vous pensez du logo qui arrive en bas à droite des vidéos, chers amis, qui est aussi sur la chaîne? T'as une version... Alors, il y a une version transparente. Je vais demander votre avis, quand même. Il y a une version transparente en bas à droite de la vidéo, normalement. Avec le nom de la chaîne... Enfin, mon nom à moi, littéralement. Et le logo de la chaîne. C'est-à-dire, normalement, l'horizon de... qui ressemblerait à un horizon de Elite Dangerous. L'horizon, enfin oui, littéralement une étoile, la symbolique de l'étoile dans Starbound qui l'entoure, et entre les deux, normalement. Il y a la marque, entre guillemets, la marque de. Les petits losanges là de commande. Je sais pas si c'est losanges hein, exactement, mais. Oh non. Oh non, je suis désolé. What? Ok. Oh, raté. Hop. Crac! Allez, on va faire le trou. On va le séparer en deux. L'objectif, c'est de le séparer en deux. Hop, les voilà. Hop, les dans le dos. Boum! Crac! Tente le shotgun. Tu veux te la mettre? Moi je tire qu'une seule fois, ça suffit. Comparé à toi. Ils l'ont eu, GG. Oh, par contre il me reste plus qu'une jambe. Voilà, on recule. Hop. On va récupérer nos deux jambes. Boum! Plus le temps que je suis dessus. Hop! C'est la première fois que je viens dans ce. Je crois que c'est la première fois que je viens dans ce truc là avec ce robot. Qui en soi me choque un petit peu. Ok. Ah, on a un problème.
Hop. Et on a aussi la solution. Normalement. Il va l'avoir. Ah mais je peux tirer ou pas? Merci. Ah il m'a eu. Non c'est lui qui m'a eu. GG. Donc comment il peut voler de manière safe avec ça lui? Je veux dire normalement avec un poids pareil à l'arrière. Ok j'ai vu son point faible. Ah merde. Je protège bien parfois. Trop loin. J'ai visé légèrement trop loin. Je les ai vus, hein. Hop, ça sert à rien. Oh, je l'ai raté. Quelle horreur. Non. T'as cru que t'allais le régène, toi. Par contre, on se fait acculer, les mecs, hein. Sans vouloir vous... les jetons. Et ouais. Pas non plus complètement sans défense, sans défense. Ah, quel dommage. Quel dommage. Mais l'avantage, c'est qu'on va repop, chers amis. On va repop normalement dedans. Ah, entre les jambes. Par contre, là, je comprends pas. Hop les. Hop, j'avais plus de canon. Ah lui par contre il a son shotgun. On va cesser de give. Devant nous sont mes copains. Et moi pendant ce temps là, je tournais la manivelle. Et moi pendant ce temps là. Ah mais les copains ils sont où là? On n'est pas censé se faire enfermer au spawn comme ça. Hein. Voilà. Crac. Ok. Dégage. Saloperie. Voilà. Pas de raison de se barrer. Le score est serré. Oh, c'est con. Hop. Voilà, t'avais l'air d'avoir des soucis avec mon pote. Du coup, je me suis dit, je vais venir l'aider, tout ça. Hop les. Voilà. Hop. Voilà, lui il revient sur terre. Aïe. Allez, il nous faut skill. Crac. Butez-le. Moi je suis précis moi monsieur. Bon j'ai rien dit. Faut qu'on focus nos tirs. C'est pas dur. Laissez-moi me mettre à l'abri. C'est moi le snipe. Faut que je sois à l'abri. Temps de régène. Allez. Hop, c'est bon. Il a pété ma tourelle, j'imagine. 15-11. Ah putain. Connard. Ah là là. Il va réessayer. Hop, tu sers à rien.
Hop, toi non plus. Hop. Crac. Boum. Ah la vache. À quelques demi-secondes près, j'avais le tir. Boum. Crac. Merde. T'as cru? Ah, je le rate. Merde. Boum. Hop, GG. J'ai mon canon. J'ai mon canon. Ok. Hop. Ah merde. Boum. Seriously? Ah la gueule. Finissez-le. On est à 2 kills de la fin, on peut pas se permettre de perdre. Allez, 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 allez. On peut le faire les mecs. Putain, il est allé se planquer. Oui, on l'a fait. Wouh. Avec moi en main damage, à plus de 5k au-dessus de lui, à pratiquement 5k de celui qui est en dessous. Ah, oh, on a donc la protonium. Oh putain. Oh la vache. Oh la game de fou. La game de fou. Oh, j'étais au taquet. Je sais pas comment était mon... Je sais même pas où est-ce qu'on était mon commentary. Il n'y a pas une épique qui tombe. Je tombe ça, mais il n'y a pas une épique. D'accord. Ok. Ok, ok. Bon, bon, bon. Eh bien, écoutez, les amis, du coup, on va se laisser là pour cet épisode. On voit qu'on va bientôt passer au level 141. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, à la commenter, à la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. N'en perdez pas le lien dans la bannière de la chaîne, simplement. Encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour vos aventures. Salut les gens. Et yo. Cette game m'a demandé trop de concentration. Je vais pas réussir à jouer à Elite Dangerous derrière.